Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 28 mars sous la présidence de M. Stallone, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les dossiers suivants ont été examinés au cours de la séance. Au titre des mesures normatives, les décrets portant sur les matières ci-après ont été adoptés. Il s'agit, premièrement, du cadre institutionnel du programme de renforcement des structures centrales de gouvernance. Ce programme, financé à hauteur de 80% par un don de la République fédérale d'Allemagne à travers son institution financière, la KfW, est une contribution à la modernisation du fonctionnement de l'administration et à l'amélioration de ses performances à travers l'utilisation optimale des services et systèmes d'information. Il consiste également en la réalisation et en l'exploitation d'une série d'infrastructures et de services des technologies de l'information et de la communication au profit de l'administration, notamment un réseau informatique unifié, un data center et un réseau de téléphonie Internet protocole. L'adoption de ce cadre institutionnel favorisera la poursuite diligente des actions et réalisations déjà en cours. Deuxièmement, transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi modifiant la loi portant organisation judiciaire en République du Bénin et modifiant et complétant la loi portant code de procédure pénale en République du Bénin. Il existe un besoin de faire évoluer le code de procédure pénale actuellement en vigueur dans notre pays pour y corriger quelques insuffisances se rapportant aux droits humains. Il s'agit notamment d'instaurer le double degré de juridiction en matière criminelle. De même, le dispositif procédural et institutionnel actuel manque de performance en raison, premièrement, du retard dans le jugement des mises en cause en matière criminelle, deuxièmement, de l'éloignement géographique des juridictions des lieux de commission des crimes, de celles où les crimes sont jugés, troisièmement, de la surpopulation carcérale. Le présent projet modificatif apporte des solutions aux insuffisances relevées et consacre une avancée majeure du droit positif béninois. En effet, les principales innovations portent sur le renforcement des droits de la personne poursuivie à travers l'institution du double degré de juridiction en matière criminelle, la célérité dans le jugement des crimes, l'abréviation de la durée des détentions préventives et la réduction des détentions provisoires et la réduction significative de la population carcérale. Il s'en déduit que cette réforme majeure entraîne la suppression de la cour d'assises et le transfert de ses prérogatives aux tribunaux d'instance en matière criminelle. Subséquemment, à cette même réforme, la chambre d'instruction est substituée à la chambre d'accusation. Il en découle dès lors des affectations générales de prérogatives entre le parquet général et le parquet d'instance. En adoptant ce projet de décret, le Conseil a instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, afin de prendre les dispositions nécessaires pour le suivi du processus d'examen du projet de loi par la représentation nationale. Au titre des communications, sous ce chapitre, l'approbation du Conseil a porté sur les dossiers ci-après. Premièrement, le point de la mise en œuvre du projet de service décentralisé conduit par les communautés. La première phase du projet de service décentralisé conduit par les communautés a été exécutée de 2013 à 2017. Son montant est de 38 milliards de francs CFA
financé par la Banque mondiale. Lors de la mission de supervision de l'institution bancaire en novembre 2017, il a été noté que le projet a connu des performances à la mesure des attentes. En effet, à cette date, le taux d'exécution physique global du projet était de 97,34% pour un taux de mobilisation financière de 100%. Ainsi, le projet a transféré aux communes 25 milliards de francs CFA qui ont servi à la réalisation de 1227 infrastructures sociales de base réparties dans les 77 communes de notre pays. Il s'agit notamment de salles de classe, de forages et points d'eau autonomes, de centres de santé, d'aménagement de pistes rurales, de construction de boutiques et hangars de marché, de magasins de stockage, etc. Ces infrastructures jugées de bonne qualité et de coûts raisonnables par différents audits techniques ont eu pour effet de renforcer l'accès des communes et communautés aux infrastructures et services sociaux de base. Leur réalisation constitue également un moyen de lutte contre la pauvreté dès lors qu'ils contribuent à améliorer significativement les conditions de vie des bénéficiaires. Ces acquis ont été renforcés par l'expérimentation en entre février 2015 et janvier 2017, d'un programme pilote de filets sociaux qui a permis d'atténuer la vulnérabilité de 13 000 ménages pauvres extrêmes avec un financement à hauteur de 2 milliards 650 millions de francs CFA. Au regard de ces résultats, la mission de la Banque mondiale a estimé que l'exécution du projet étant satisfaisante, tous les indicateurs susceptibles de présager d'une prochaine phase sont pleinement réunis. Le Conseil a pris acte du rapport présenté par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale et l'a instruit, en liaison avec le ministre de l'Économie et des Finances, de préparer d'ores et déjà cette prochaine phase du projet. Deuxièmement, les mesures d'accompagnement pour la campagne agricole 2018-2019. Le gouvernement a décidé de mesures spéciales d'accompagnement au profit des producteurs pour le compte de cette campagne agricole dont le lancement est prévu à Dija le 19 avril 2018. Les dites mesures consistent en des subventions en équipement et intrants agricoles en particulier. Ainsi, 7798 tonnes d'engrais KCL et 4798 tonnes d'engrais KSO4 seront respectivement mises à la disposition des producteurs de palmiers à huile, d'ananas, d'agrumes et de cultures maraîchères au prix de 6 000 francs CFA le sac de 50 kg au lieu de 12 000 francs CFA prix actuellement en vigueur. À l'occasion de cette campagne agricole, placée sous le thème « citation, pôle de développement agricole, une option pour mieux valoriser les potentialités agricoles locales », fin de citation, une journée d'échange sera organisée avec les acteurs du monde agricole. Elle portera essentiellement sur les conditions de son déroulement. Ce faisant, le gouvernement entend impliquer davantage les acteurs directs dans la réflexion sur les moyens d'atteindre les objectifs fixés afin d'optimiser les rendements de la campagne et leurs propres revenus. Le Conseil a instruit le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que les autres ministres concernés, d'accomplir toutes les diligences nécessaires aux fins d'une organisation efficace pour la réussite de la campagne agricole. Troisièmement, les opportunités d'exportation du miel du Bénin sur le marché européen.
En 2011, notre pays, en raison de l'absence d'un plan de surveillance des résidus de médicaments vétérinaires dans les produits d'origine animale, n'était pas éligible sur la liste des pays tiers autorisés à exporter les animaux et les produits d'origine animale dans l'espace communautaire européen. En 2015, satisfaction a été donnée à cette exigence et la Commission européenne a entériné ce plan de surveillance et rendu sa décision d'exécution le 15 février 2018. Par celle-ci, le Bénin vient ainsi d'être officiellement inscrit sur la liste des 6 pays africains autorisés à exporter les animaux et les produits d'origine animale au sein de l'espace communautaire européen. Cette décision profite en particulier au miel béninois. Ainsi, les producteurs de nos communes devront-ils s'organiser pour faire du miel à terme une filière porteuse au même titre que l'ananas, l'anacarde ou le karité. Par ailleurs, les contrôles à l'exportation des produits agricoles et agroalimentaires incombant aux autorités compétentes nationales, il importe pour notre pays de mettre en place diligemment les itinéraires techniques appropriés pour une culture de qualité du miel, conformément aux exigences sanitaires, réglementaires, auxquelles seront désormais astreints les exportateurs de ce produit. Dès à présent, il sera donc procédé en urgence à l'accréditation des méthodes d'analyse des résidus de médicaments vétérinaires du Laboratoire central de contrôle de la sécurité alimentaire des aliments. Le Conseil a pris acte de ce nouveau développement qui constitue une bonne opportunité pour notre agriculture. À cet effet, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le ministre de l'Économie et des Finances prendront les dispositions nécessaires en vue, premièrement, d'accompagner le Laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments dans la mise en place des technologies ainsi que des méthodes d'analyse spécifiques du miel. Deuxièmement, de soutenir le processus d'accréditation des méthodes d'analyse initiées par le dit laboratoire en vue de son extension aux méthodes d'analyse des résidus de médicaments vétérinaires dans le miel. Quatrièmement, la mise en œuvre des mesures d'assainissement et de réhabilitation des lacs Aimé, Nokoué et de la lagune de Porto Novo. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a rendu compte au Conseil de la mise en œuvre des mesures d'assainissement et de réhabilitation des lacs Aimé et Nokoué et de la lagune de Porto Novo pour le compte du premier trimestre 2018. Ce point renseigne sur les principales actions menées qui se résument comme suit. Premièrement, l'élaboration des tests d'application de la loi cadre relative à la pêche et à l'aquaculture. Deuxièmement, l'enlèvement systématique des engins prohibés du chenal de Cotonou et du lac Nokoué. Troisièmement, la libération du dit lac des habitats anarchiques. Quatrièmement, la prise de disposition pour empêcher l'installation de tout nouvel arsenal de pêche de type Acadia. Cinquièmement, la réhabilitation des bases obligatoires de contrôle et des plateformes de transfert sur le lac Aimé. Le Conseil observe néanmoins que d'autres actions doivent être conduites assez diligemment. Il s'agit de l'étude de faisabilité du dragage du lac Nokoué et de la lagune de Porto Novo, de l'étude de faisabilité relative à la lutte contre les plantes aquatiques proliférantes et de l'équipement et la formation d'une unité chargée de la surveillance des plans d'eau. Les ministres concernés devront poursuivre et conduire à terme les activités programmées au titre de l'année 2018.
Cinquièmement, toujours au titre des communications, la fixation des prix des produits pétroliers au titre du mois d'avril 2018. Le Conseil a pris acte du compte rendu des travaux de la Commission chargée de l'ajustement des prix des produits pétroliers. Il s'en dégage que les niveaux de fluctuation observés ne sont pas de nature à générer une variation des prix des produits par rapport à leur niveau du mois de mars. Ainsi, les prix à appliquer durant le mois d'avril restent inchangés, notamment essence, 495 francs le litre, pétrole, 525 francs le litre, gasoil, 505 francs le litre, mélange, 575 francs le litre, gaz domestique, 490 francs le litre. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé, sous ce volet, l'organisation de la deuxième réunion des ministres du Conseil international consultatif du Cajou à Cotonou. La participation du Bénin à la 86e session générale de l'Assemblée mondiale de la santé animale à Paris, en France, du 20 au 25 mai 2018. La participation du ministère de la Santé aux réunions statutaires et l'organisation de journées et manifestations nationales relevant du secteur. La participation du Sherpa aux réunions statutaires de l'Organisation internationale de la francophonie au cours de l'année 2018. Enfin, au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, sur proposition du ministre, conseiller technique à la promotion de l'élevage et de la pêche, M. Boubacar Djaouga Mamadou. Conseiller technique à la recherche, à l'agriculture et à l'alimentation, M. Siaka Kodjo. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, sur proposition du ministre, conseillère technique juridique, Mme Simone Kossiba Ronvou. Je vous remercie. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Je suis Maurice Lévy, d'abord de la rédaction de Vidéo TV et Diaspora NL. Ma question, la seule d'ailleurs, est intimement aux mesures de renforcement décidées par le gouvernement dans le cadre de la campagne agricole de 2018-2019. Alors, c'est a priori une très bonne nouvelle pour les producteurs à vous suivre ce soir. Ils sont très heureux. Mais comment vont-ils se rendre compte de l'effectivité de cette mesure? L'effectivité de la mesure est dans la mesure elle-même. Vous savez qu'en application de son programme d'action, le gouvernement a mis en place un plan stratégique de développement. Un plan stratégique de développement du secteur agricole qui lui-même valorise le programme national d'investissement agricole et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est à ce titre, par ailleurs, que le gouvernement a mis en place au titre de cette campagne agricole une subvention à hauteur, je le rappelle, de 1,511 millions 520 000 francs. Une subvention au titre des équipements, au titre des intrants et bénéficiant aux différents producteurs, notamment les producteurs de palmiers à huile, les producteurs d'ananas, les producteurs de cultures maraîchères. Et la réponse, l'effectivité, se trouve aussi dans la manière de procéder. Pour cette campagne agricole 2018 et 2019, il est organisé, il est programmé pour être organisé une réunion d'échange avec les différents producteurs, avec les différents acteurs à la veille du lancement de la campagne. Et quel est l'objectif de cette réunion? C'est évidemment la présentation du plan de travail annuel, le PTA. C'est évidemment la présentation des différents types de subventions. C'est évidemment la présentation de l'objet
de cette subvention et la meilleure manière de bénéficier de cette subvention. Tout cela sera fait de manière transparente au profit de nos producteurs, les producteurs que je viens d'indiquer. Bonjour, monsieur le ministre. Dans le point que vous avez fait tout à l'heure, vous avez parlé d'un projet de loi qui sera introduit incessamment à l'Assemblée nationale, modifiant l'organisation judiciaire en République du Bénin et le code de procédure pénale. En l'état actuel, quelle est l'opportunité de cette réforme et quelle peut être, est-ce que vous pouvez repréciser les avantages de cette loi? Merci. De cette réforme? Et quels peuvent être, est-ce que vous pouvez repréciser les avantages de cette loi? Merci. D'abord, le diagnostic révèle, et plusieurs organisations internationales nous ont identifié à ce sujet par ailleurs, révèle que nous avons un taux, premièrement, de surpopulation carcérale qui pourrait être corrigé à travers des mesures institutionnelles fortes. Deuxièmement, que ce taux de surpopulation carcérale résulte notamment de ce que, évidemment, le jugement des crimes, avant le jugement des crimes, il y a un délai anormalement long. Pourquoi? Parce que les personnes suspectées, les personnes poursuivies, doivent attendre la réunion de la cour d'assises. Vous savez que les cours d'assises se tiennent dans nos cours d'appel. Nous avons 3 cours d'appel, il y a 3 cours d'assises, et le code de procédure pénale dit que chaque année doit se tenir 2 sessions de cours d'assises. Mais à cela s'ajoute le fait que lorsque la personne est jugée devant la cour d'assises, il n'a pas le droit d'appeler la décision de la cour d'assises. Il n'a que le droit de se pourvoir en cassation. Donc le principe du double degré de juridiction est également méconnu dans notre système, dans notre procédure en ce qui concerne le jugement des crimes. Nous ne connaissons que le double degré d'instruction, juge d'instruction, chambre d'accusation. Et deuxième, énième point de diagnostic, le jugement des crimes a lieu à des endroits éloignés du lieu de commission. Or, quand on juge une personne ayant commis un crime, c'est pour servir des, c'est pour appliquer une mesure d'exemplarité, n'est-ce pas, au profit de la population, au profit de la communauté. Et donc, la personne poursuivie n'est pas jugée fondamentalement par son juge naturel, qui est aussi une règle de protection des droits humains. La présente réforme vise à corriger tout cela. Premièrement, à instituer le double degré de juridiction en matière de jugement des crimes. Cela permet d'introduire au sein des tribunaux de première instance une chambre criminelle. Et deuxièmement, par ce biais, à faire en sorte que les personnes poursuivies soient jugées par leur juge naturel. Troisièmement, à faire en sorte que le jugement des crimes ait lieu, se déroule dans un espace proche du lieu de commission des crimes. Et troisièmement, à faire en sorte que nous connaissions de moins en moins une sorte de surpopulation carcérale due à la durée anormalement longue, au délai anormalement long du jugement des crimes. C'est tout, pour toutes ces raisons, concentré sur la protection des droits humains, que le président de la République a décidé que ce projet puisse être examiné par l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, Edith Tosso, journaliste à Frisson Radio. En réalité, ma première question a déjà été prise en compte. La deuxième concerne l'actualité nationale et sociale. C'est concernant les crises ou la crise sociale, notamment dans le secteur de l'éducation. Entre-temps, on était habitué à une séance de négociation gouvernement syndicat. Après, les séances ont été suspendues. Maintenant, on voudrait savoir la suite. À quand la fin de la crise dans le secteur de l'éducation et dans tous les autres secteurs aussi? Merci. Je voudrais... En réponse à votre question, au nom du gouvernement, saluer les différents syndicats, les fonctionnaires, les agents de l'État qui ont compris que l'issue de cette crise est dans la reprise du service, qui ont compris qu'il y a un intérêt, une valeur qui nous dépasse tous, la valeur État, la valeur service,
la valeur service des communautés les plus vulnérables. Et je vais vous dire que tout ce qui est fait pour encourager à un dénouement total global est en train d'être fait. Vous aurez de plus en plus des informations dans ce sens-là. En revanche, la question que vous n'avez pas posée et qui m'importe, moi je vous la pose et je réponds, la question relative à ces infractions sur, qui touchent le secteur ou l'outil Internet que certains qualifient de la cybercriminalité. Comme s'il y a une sorte de cybercriminalisation de la société. C'est un sujet qui préoccupe le gouvernement. Parce que le monde virtuel n'est pas seulement virtuel. La qualité des interventions, l'enjeu de l'Internet pour nos sociétés, eh bien, tous ces éléments font que l'État ne peut pas admettre qu'il s'y développe une délinquance que nul, à terme, ne pourra corriger. Et c'est pourquoi les mesures sont prises très tôt. Je veux vous annoncer que la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution la loi sur le code du numérique. Et de ce point de vue, le président de la République va promulguer très rapidement cette loi. Je vous dis aussi que les différents procureurs, l'institution judiciaire est entièrement mobilisée pour agir, et que la chaîne sécuritaire est tout aussi mobilisée et que les moyens seront donnés. Aussi bien dans l'espace réel que dans l'espace virtuel, c'est du citoyen qu'il s'agit. Ce sont les personnes en qui nous sommes en relation à l'étranger. Et ces personnes-là, aussi bien au plan interne qu'au plan international, doivent être protégées et le gouvernement s'assurera de leur protection. Je vous remercie.